Hey, je vois qu'on a déjà gagné la moitié des abonnés, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Et bah pour vous fêter ça, je vais vous jouer un nouveau morceau que j'ai composé cette semaine pour vous justement. Ça filme. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Bonjour, monsieur Lançon. Je m'appelle Martin Verne et je suis votre nouvel assistant. Pour moi, la quarantaine, ça ne pose aucun problème. Et je dois dire que ce système d'entretien par visioconférence ne peut faire que ressortir ma grande motivation à l'idée de travailler avec vous. Pour vous. Je peux vous faire parvenir des photos et des articles complémentaires. Parce que j'ai au fond, dans cette mallette. Hey! Hey! Confinement se passe bien? Plutôt bien, je me prépare pour un entretien là. Oh bah tu perds pas de temps toi, dis donc. On se fait un petit apéro jeu vidéo avant, hein? J'ai pas vraiment le temps, tu vois. Bah tu veux que je te fasse répéter pour ton entretien? Vas-y. Sûrement pas. Écoute, je te rappelle juste après, ok? Bah ok. Voilà, je dédie le prochain morceau maintenant à tous ceux qui s'apprêtent à vivre un moment important. C'est pour vous, les gars. C'est un bon, lui. Pas vraiment le temps, tu vois. Bonjour. Bonjour. Martin Verne? Oui. Je suis l'assistante de Monsieur Lançon. Où êtes-vous? Chez moi. Bon, je suis désolée, mais l'entretien de cet après-midi avec Monsieur Lançon est malheureusement annulé. Annulé? Oui, mais nous vous proposons de venir nous rencontrer au 22 rue Victor Hugo. Mais je pensais que le poste était à pourvoir immédiatement. D'après l'adresse qui figure sur votre CV, c'est à deux pas de chez vous. On n'a pas le droit de sortir de chez nous en ce moment. Bon, écoutez, ce n'est pas très loin. Et nous souhaitons vraiment vous rencontrer tout de suite pour faire les tests au plus vite. Et puis, je pense que notre directeur apprécierait fortement que vous fassiez le déplacement. D'accord. Je vous appelle dès que je suis arrivé à l'adresse. Non ! Mais je serai venu ! Allô ? Bon, calmez-vous. Vous êtes toujours partant pour venir? Oui. Alors, restez en ligne avec moi. Comme ça, en cas de contrôle, vous n'aurez qu'à passer le téléphone et je saurai quoi dire. Ça vous va? Parfait. J'arrive tout de suite. Bien. Vous savez, c'est une chance pour nous de pouvoir vous rencontrer. Nous ne pouvons vous passer d'éléments comme vous, même en temps de crise. Laissez-moi vous dire que vous avez quand même des techniques d'approche assez peu conventionnelles. C'est le contexte qui veut ça. Tout ce que j'espère, c'est que je ne vais pas me faire contrôler. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Les distances de sécurité, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas de masque? J'ai pas eu le temps d'en acheter, ça fait deux semaines que je suis chez moi, confiné. Vous ne pouvez pas sortir sans masque? Je sais, c'est pour du boulot justement. Oui, bien sûr. Parlez à qui là? À personne. Alors, comment ça s'est passé l'entretien? Il n'a pas eu lieu, pas encore. Ah, c'était pas à 18h? On n'a pas le job. Justement, le directeur a un petit souci, il souhaite me rencontrer en vrai. En plein confinement? Tu te fous de moi là? C'est pour notre projet que je fais ça. C'est votre adresse, masque. T'as pas de gants? Tu vas où là? T'as même pas de gel hydroalcoolique, je suis sûre. J'ai pas de cours. Tu ne sors pas. Foutez-moi la paix, vous. Ou je ne bosse plus avec toi. Si tu ne rentres pas chez toi immédiatement, tu vas avoir de gros problèmes, toi. Dis donc, elle est pas commode, celle-là. C'est qui? Elle a raison. Le confinement, c'est pas censé être la meilleure des situations pour faire un entretien par visioconférence et non l'inverse. Attendez, vous avez entendu toute la discussion? Entendu, entendu. Disons que nous avons d'énormes moyens, vous savez. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper de candidat. Mais c'est pas une raison. Oh, restez tranquille.
tranquille. Ah bah il a pas duré longtemps dans l'entretien. J'aurais vraiment pas dû sortir. C'est trop tard, vous êtes dehors bon, maintenant. Là, je vais prendre une décision radicale. Non, non, elle est déjà prise la décision. Je crois qu'il vaut mieux repasser l'entretien plus tard, ok? Vous pouvez être parano? Recontactez-moi quand la situation se sera calmée. Bah celui-là, il veut vraiment faire son apéro. Encore lui? Ah mais tu me fais une blague ou quoi là? Je t'ai dit que j'avais un entretien important, tu peux attendre 5 minutes quand même. Qu'est-ce que tu fais dehors? L'entretien, il était pas chez toi? L'entretien se faisait à l'extérieur finalement. Tant pis pour la contamination. Tu peux pas entrer chez toi. Non mais ça va, je peux entendre ce que je veux. Non mais tu comprends pas. Y'a quelqu'un chez toi mec. Quoi? Rentre vite chez toi et fouille ton appartement, va pas à ton rendez-vous. Oui mais je vais pas à mon rendez-vous là, je rentre chez moi justement, je prends les escaliers pour rentrer au plus vite. Justement, putain mais tu peux pas écouter tout le monde un peu là. Tout le monde dit qu'il faut pas sortir. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Mais suis les règles un peu bordel. Écoute les gens, tu dois pas sortir, tu dois rester chez toi. Oui mais je bon, suis regarde, chez moi justement. Moi je suis en train de... je profite de la situation. Fous-moi la paix. Ah oui, alors si je vous fais ça. Personne. Non mais à chaque fois que je fais ça pour toi, tu me raccroches au nez toi. Oui mais c'est bon, je suis rentré chez moi et y'a personne. C'est pas possible ça, franchement. Que tu crois. Mais y'avait quelqu'un tout à l'heure. Derrière toi, là. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Hey, il part avec quoi? C'est quoi ça? Tout me paraît gris. T'es là? Tromper mon ennui. T'es là? Ça... Oh mais ça sonne. Là ça va. C'est quoi ça? Bonjour monsieur Verne. Désolé du léger retard, mais je tenais à maintenir le rendez-vous coûte que coûte. Mon assistante est un peu stressée. Enfin, c'est un entretien très important, vous savez. C'est un entretien pour quoi, ça? Ça a été filmé? Pour le poste. Mais quelle vulgarité! Mais qu'est-ce que vous faites par terre? Mais surtout, reste chez toi! Ba-da-ba-d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 a